Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous savez, quand nous décrétons la prière, le programme spécial, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que il y a aussi les diables et l'ennemi qui veulent empêcher, mais nous sommes toujours plus que vainqueurs. Alléluia. J'ai commencé à ranger des choses depuis 4 heures, je crois, 7 ou 8, jusqu'à présent. Donc, c'était pas possible au niveau de serveur YouTube. Donc, ça refusait, ça refusait, ça refusait. Voilà pourquoi nous sommes basculés sur Facebook. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dans toutes choses, nous allons toujours bénir le nom du Seigneur. Et bien-aimés dans le Seigneur. Waouh. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons glorifier ce Dieu merveilleux. Un grand shalom à vous. Amen, amen. Parce que nous n'avons pas le temps. Alléluia. Mais bien, shalom, shalom, shalom. Je disais tout à l'heure que le problème a eu lieu au niveau de serveurs de YouTube. Donc, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Depuis un bon moment, je me suis connecté. Ça ne marchait pas, ça refusait, ça refusait. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes basculés sur Facebook. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que nous sommes ses enfants et nous avons la victoire. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur ce matin pour son amour, pour sa bonté. Nous allons glorifier. Je pense que nous n'allons pas faire vraiment grand-chose selon le programme qui était déjà établi, parce que vu le temps, et que nous aussi, nous allons partir au travail. Nous allons faire vraiment au maximum. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous allons glorifier ce Dieu merveilleux, le Seigneur qui nous donne encore la grâce, l'opportunité, son amour, sa bonté, sa grâce, sa force ce matin, afin que nous puissions être encore dans sa présence. Louons le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te louons, Père, ce matin. Merci parce que tu veux que, Seigneur, nous puissions te louer, Seigneur, dans le mauvais moment et dans le bon moment, Seigneur. Et que, Seigneur, rien ne pourra, Seigneur de gloire, Père, nous tourmenter, parce que nous sommes avec toi. Nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, depuis le matin, tu ne cesses d'écouler tes grâces, tes bontés, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur de gloire, tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, nous voyons tes bontés, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit béni. Je viens bénir ton Saint-Nom ce matin. Je viens t'honorer, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions, Seigneur, te louer, Seigneur. Parce que la Bible déclare, Seigneur, dans Psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel des armées. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous n'avons pas le luth. Nous n'avons pas la harpe. Mais c'est que nous avons, Seigneur, notre cœur, notre esprit, notre âme, Seigneur. Laisse-nous, Seigneur, de gloire te louer, Seigneur, de tout notre cœur. Laisse-nous, Seigneur, de gloire te vénérer, parce que tu es Dieu. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, de ce que tu es notre papa, de ce que tu es notre bouclier, de ce que tu es notre victoire, notre solution, notre ambition, notre promotion, notre probation. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom ce matin. Toi qui viens, Seigneur, pour nous donner la victoire. Toi qui es toujours à nos côtés, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, prends le contrôle de ce moment. Manifeste de ta grâce, manifeste de ton amour. Nous te vénérons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur Dieu, à dominer, à régner dans notre parler, dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre mentalité. Dieu de gloire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton souffle ce matin. Le souffle divin, Seigneur, dans notre esprit, dans notre mental, au nom de Jésus. Ce matin, Dieu de gloire, prends le contrôle. Prends, Seigneur, la place qui t'est due dans notre cœur, dans notre journée, dans notre marche, dans le nom de Jésus. Ce matin, ô Dieu de gloire, nous t'appelons, Dieu. Manifeste, exauce, Seigneur, oh, écoute, Seigneur de gloire, opère, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions puissions triompher davantage au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu de gloire, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ nous fortifie encore, parce que Seigneur, nous cheminons avec toi, Seigneur. Nous cheminons, Seigneur, dans ce programme de jeûne et prière. Dieu de gloire, manifeste de ton amour dans le nom de Jésus. À celui qui peut nous préserver de toute échite, Jésus-Christ de Nazareth, soit force, honneur, la gloire et au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. J'acclame le Seigneur, j'acclame le Seigneur. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Amen, 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 amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 10 au verset 27. Alléluia. La Bible déclare ceci, je lis dans le nom de Jésus-Christ. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. En ce jour, c'est-à-dire aujourd'hui, en ce jour, c'est-à-dire dans notre temps, en ce jour, c'est-à-dire Dieu ne change pas, il est toujours le même, il est toujours puissant, il est toujours inchangeable, il ne change pas. Alléluia. Dans ce jour, notre fardeau sera ôté. Dieu veut ôter notre fardeau, Dieu veut enlever la culpabilité, Dieu veut enlever tout ce qui nous ronge, Dieu veut enlever tout ce qui nous fait du mal, Dieu veut enlever, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons briser les chaînes, nous allons briser les jougs de l'ennemi dans nos vies, alléluia, parce que nous avons le pouvoir, nous avons la puissance. Dieu nous a donné sa parole, il a mis sa parole dans notre bouche, afin que nous puissions parler, afin que nous puissions prophétiser, afin que nous puissions décréter. Amen, amen, amen. Il dit, si vous avez la foi, alléluia, comme un grain de sénévé, vous allez faire déplacer les montagnes. Alléluia, cela veut dire déplacer les fardeaux, enlever les fardeaux dans vos vies, enlever les fardeaux dans votre destinée, enlever les fardeaux dans votre vie, dans votre avenir, dans votre marche, même sur vos enfants. Alléluia, enlever même les actes dont les ordonnances qui vous condamnaient, parce que vous avez maintenant le pouvoir de Christ. Amen, amen, amen. Tu peux changer ta destinée, oui, c'est possible, parce que le pouvoir nous a été donné. Amen, amen, amen. Ce matin, plutôt, nous allons pouvoir décréter, nous allons pouvoir enlever les fardeaux, effacer les fardeaux, toute culpabilité, tous les blocages de nos vies, toute la ruse de l'ennemi soit réellement ôtée dans nos vies, afin que nous puissions triompher, parce que nous sommes dorénavant les enfants de la lumière. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Oh, alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons glorifier le Seigneur pour sa parole. Nous allons prier par rapport à cette parole. Amen, amen. Nous allons glorifier le Seigneur pour cette parole. Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la capacité, le courage. Dieu nous donne son amour, sa parole est en nous. Alléluia. Quand la Bible déclare, la parole faite chair, c'est-à-dire la parole vient habiter parmi les hommes. La parole vient habiter dans la vie de l'homme. Alléluia, c'est-à-dire dans la vie de toi et moi. Amen, amen, amen. Nous allons glorifier le Seigneur parce que sa parole est au-dedans de nous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons. Nous te bénissons encore pour cette parole merveilleuse. Nous te bénissons encore, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la force d'un buffle, d'avancer, Seigneur de gloire, Père, de courir sans se fatiguer, de continuer la marche, de continuer le pèlerinage, de continuer encore, Seigneur de gloire, la course. Oh, que ton nom soit béni. Béni soit ton nom ce matin, parce que ta parole nous fait du bien. Oui, Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous savons que ta parole, c'est un miroir. Nous savons que ta parole, Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est une, Seigneur, Oh Dieu de gloire, une orientation, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu divine, Seigneur, que ton nom soit béni. Béni soit ton nom, Seigneur, Dieu de gloire. Je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ta parole merveilleuse. Je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur de gloire, qui nous donne la victoire, Seigneur de gloire, Père, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, Seigneur, que ton nom soit béni. Je bénis ta parole ce matin, je glorifie ta parole dans mon cœur, je glorifie ta parole dans ma vie, je glorifie ta parole dans ma journée, je glorifie ta parole dans mon esprit. Oui Seigneur, c'est ta parole qui crée, oh Dieu de gloire. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu, cette parole elle est vie et esprit. Nous te disons merci, merci pour cette parole merveilleuse, merci pour cette parole qui dit simplement allez vous présenter au sacrificateur et en cours de route, le lépreux de Dieu, le lépreux était guéri Seigneur. Nous savons Seigneur, cette parole elle est Seigneur miraculeuse dans la vie d'une personne. Lorsqu'elle rentre dans cette personne, la personne devient un enfant de Dieu. Il obtient, Seigneur, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette parole, ô Dieu de gloire dans nos vies. Père éternel, nous ne voulons pas écouter d'abord les journaux du monde, mais c'est que nous voulons, Seigneur, écouter d'abord la parole. Écouter ta parole, parce que ta parole qui est au commencement, parce que ta parole qui est Dieu, car parce que ta parole qui est le pain de nos vies, parce que ta parole qui est l'eau de vie, parce que ta parole, Seigneur, qui est notre lumière. Nous te bénissons ce matin. Reçois, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, parce que tu es la parole d'honneur, parce que tu es la parole puissante, parce que tu es la parole véritable, parce que tu es la parole incontournable, inéchangeable, Seigneur. Que ton nom soit béni. Louange à toi, Seigneur, pour ta parole. Lorsque, Seigneur, je dis ta parole, je vois ta présence. Lorsque je dis ta parole, je vois ta création, Seigneur de gloire, Père, ta puissance dans ma vie. Lorsque je vois, Seigneur de gloire, ta parole, je vois, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, ta gloire. Que ton nom soit béni de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, béni soit ton nom pour cette parole merveilleuse, Seigneur, que tu nous donnes, oh Dieu de gloire. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons si prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir demander aussi pardon à Dieu. Parce qu'il est dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ainsi je vous donnerai du repos. » Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est-à-dire, je vais vous enlever le fardeau. C'est-à-dire, je vais vous enlever la lourdeur dans vos vies. Je vais vous enlever la charge. Alléluia. Je vais vous enlever la culpabilité. Je vais vous enlever réellement tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous ronge. Je vais vous enlever réellement le mal. Je vais vous enlever tout ce qui est comme les épines. Alléluia, dans vos vies. Il a dit dans sa parole, venez à moi. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous allons demander pardon à Dieu, car il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché. Nous allons demander pardon à Dieu de nous sanctifier, de nous laver. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Nous ne pouvons pas obtenir la rédemption du péché, la rémission, pardon, pour nos péchés. Nous ne devons pas obtenir la grâce de Dieu. Nous ne devons pas être lavés, sanctifiés par le sang de l'agneau. C'est pour cela que nous allons demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Ce matin, ô Dieu de gloire, nous voici devant toi, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos vies, toi qui connais nos pensées, toi qui connais nos systèmes de pensée, toi qui connais nos mouvements, toi qui connais notre langage, nos faiblesses, nos lacunes, nos Seigneur de gloire, nos fautes. Nous voici devant toi, ô Dieu de gloire, pardonne-nous ce matin, nettoie nos cœurs ce matin, viens nous sanctifier par le sang de l'agneau. Car il est dit, Seigneur, dans ta parole, ô Dieu de gloire, c'est le sang de l'agneau qui ôte le péché dans nos vies, c'est le sang de l'agneau qui est capable de crier vengeance, Seigneur, c'est le sang de l'agneau qui est capable, Seigneur, de nous, Seigneur de gloire, de nous restaurer davantage. Ce matin, oh Dieu, nettoie mon cœur, nettoie ma vie, Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur éternel, j'étais Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire tourmenté, vu que Seigneur, le cerveau ne marchait pas, vu que Seigneur de gloire, je n'arrivais pas à me connecter, Seigneur, dans ta présence, vu que Seigneur de gloire, je voyais, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, le blocage, Seigneur, de ce système, Seigneur de gloire, Père de YouTube, oh Dieu de gloire, je te prie de me pardonner, de me sanctifier, de me laver, Seigneur mon Dieu, Père éternel, mon roi, je te prie ce matin, Seigneur mon Dieu, viens, Seigneur de gloire, ôte le fardeau, ôte le péché, ôte le mal, Seigneur, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma bouche, dans mon corps, oh Dieu de gloire, je veux être nettoyé, lavé par ton sang, Père éternel, oh Dieu, si je suis, Seigneur, si je dis, Seigneur, je ne suis pas, oh Dieu Père, je n'ai pas de péché, je me séduis moi-même. Oh, je te prie, Seigneur mon roi, de me pardonner, de me laver, de me sanctifier par ton sang précieux. Lave ma maison, lave mes enfants, lave Seigneur, oh Dieu de gloire, ma femme, lave Seigneur ma journée, lave mon corps, lave mon esprit, lave mon état d'âme. Je te prie ce matin de me laver, de me justifier par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui ôte le péché. Voilà pourquoi je viens à toi ce matin, pour dire, prends mon joug, prends Seigneur, vois mon fardeau, prends Seigneur, vois tout ce qui est à moi, donne-moi Seigneur, ton fardeau à toi, qui est doux et léger. Ce matin Seigneur mon Dieu, je m'abandonne à toi, ce matin Seigneur, je dis à l'aide, au secours, au Dieu de gloire, pardonne mes faiblesses, pardonne mes petitesses, je te prie ce matin Seigneur, de ne point regarder Seigneur, mes lacunes, mais regarde le sang de l'agneau, le sang qui donne la vie, le sang de Christ ce matin, puisse me nettoyer, me sanctifier. Oh Dieu de gloire, que je sois plus blanc que la neige, que je sois Seigneur restauré, que je sois Seigneur de gloire édifié, que je sois purifié davantage, corps et âme, esprit, d'âme, oh Dieu Père, de la même manière Seigneur de gloire. Oh Dieu, ta parole lorsqu'elle est libérée Seigneur, c'est pour Seigneur de gloire arroser, pour Seigneur de gloire accomplir le but par lequel a été envoyé. Je te prie ce matin de me nettoyer, oh Dieu de gloire, par le sang de l'agneau. Nous avons la victoire. Par le sang de l'agneau, nous sommes nettoyés, justifiés. Par le sang de l'agneau, nous sommes pardonnés. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos lacunes, nos manquements, Seigneur, notre état d'âme, Seigneur. Oh Dieu, je te prie ce matin, enlève la chair dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, te louer en esprit et en vérité, afin que nous puissions te tenir, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu saint, oh Dieu agréable, devant ta présence. Dans le nom de Jésus, que ton sang, Père éternel, le sang de Christ, nous lave ce matin, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour le sang de l'agneau. Merci au Dieu de gloire, parce que tu nous laves, tu nous purifies. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir demander aussi que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la force, nous donner la force, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la capacité, la flamme dans notre cœur, la flamme du Saint-Esprit dans notre esprit, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire, et que l'Esprit de Dieu puisse allumer sa flamme dans notre cœur, afin que cela puisse consumer tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est, Seigneur, tout ce qui est du diable, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, me voici devant toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste de ta grâce ce matin. Manifeste de ton amour ce matin. Nous savons, Seigneur, lorsque, Seigneur, Dieu de gloire, nous crions à toi, lorsque nous avons besoin de toi, tu as dit, nous avons déjà le Consolateur. Le Consolateur est tout près de nous. Le Consolateur est avec nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va nous orienter dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu. Ce matin, Saint-Esprit, allume la flamme dans notre cœur. Allume la flamme dans notre esprit, afin que, Seigneur, toutes les œuvres de l'ennemi soient consumées, brûlées. Au nom de Jésus. Jésus. En fait, que Seigneur, tout le mal soit calciné dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, allume ta flamme dans notre cœur, allume ta flamme dans notre esprit, allume ta flamme dans notre bouche, allume ta flamme dans notre conscience ce matin, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse pas, sois avec nous. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, endommage le mal, endommage les épines, endommage, Seigneur, les ronces, ô Dieu de gloire, endommage tout ce qui est, Seigneur de gloire, ô Dieu Père, paralytique, paralysie, Seigneur, tout ce qui est maladie, Seigneur, tout ce qui est, Seigneur de gloire, de l'ennemi, le risque du diable, ô Dieu de gloire, ô le Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu dans nos vies, allume ton feu dans notre corps, allume ton feu dans notre maison, allume ton feu dans notre destinée ce matin. Ô Saint-Esprit, ne nous laisse pas dans l'opprobre, ne nous laisse pas dans le mal, ne nous laisse pas dans la maladie, ne nous laisse pas, ô Dieu, dans l'infirmité, ne nous laisse pas seul, allume le feu, la flamme du Saint-Esprit soit consumée, soit manifeste dans nos vies, afin que cela puisse consumer les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus, afin que cela puisse neutraliser tout ce qui est de l'ennemi ce matin, afin que le joug du diable soit ôté dans nos vies dans le nom de Jésus. Oh, ce matin, l'Esprit de Dieu opère, l'Esprit de Dieu anivre, Seigneur, nos cœurs, l'Esprit de Dieu augmente, l'Esprit de Dieu allume la flamme, oh alléluia, afin de brûler, afin de consumer, afin de calciner, afin de ôter ce matin tout ce qui est de l'ennemi ce matin, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, brûle au-dedans de nous, brûle au-dedans de notre cœur, brûle au-dedans de nos affaires, brûle ce matin, consume, toute plante mauvaise qui n'a pas été plantée par Dieu. Ce matin, oh Dieu de gloire, ce que nous voulons, que l'Esprit de Dieu puisse consumer le mal ce matin dans le nom de Jésus, Ce matin, je déclare, ce matin, je décrète la flamme du Saint-Esprit puisse consumer le mal, puisse consumer les épines, puisse consumer de maintenant, ô Dieu de gloire, l'épidémie, ô Dieu, la maladie, la contagion, le virus, au nom de Jésus. Ce matin, Dieu de gloire, tu nous as donné le pouvoir, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, de marcher sur les scorpions, sur Seigneur de gloire, sur le serpent, et rien ne pourra nous nuire. Ce matin, je déclare, Seigneur, le feu, la flamme du Saint-Esprit puisse briser, ce matin le joug de l'ennemi dans notre famille, sur nos enfants ce matin, dans le nom de Jésus, et que l'Esprit de Dieu, condamne, et que l'Esprit de Dieu puisse brûler ce matin tout ce qui est des œuvres mortelles, tout ce qui est les œuvres de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons pouvoir briser encore les jougs, de l'ennemi dans nos vies, dans chaque domaine de nos vies. Nous allons pouvoir demander, nous allons pouvoir décréter, nous allons pouvoir briser dans le nom de Jésus. Parce que le pouvoir nous a été donné. Le pouvoir nous a été donné sur la croix. Jésus-Christ dira, Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Oh, ce matin, nous allons prendre l'autorité. Nous allons prendre l'autorité de briser les jougs dans toutes les formes qu'il soit, dans chaque domaine de nos vies. Nous allons le briser dans le nom de Jésus, parce que le pouvoir nous a été donné. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, je viens briser le joug de l'ennemi, dans toute forme qu'il soit, Seigneur, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie, Seigneur de gloire, de ton peuple ce matin. Je viens briser cela dans le nom de Jésus. Tous les jougs de l'ennemi, tous les jougs, tout ce qui est lourd, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est malade, tout ce qui est microbe, tout ce qui est satanique, tout ce qui est péché, tout ce qui est, Seigneur de gloire, Père, l'alcool, tout ce qui est, Seigneur de gloire, l'abomination, au nom de Jésus, est brisé maintenant par le feu du Saint-Esprit, est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je viens briser ce matin, par le nom qui m'a été conféré, par le nom de Christ et Jésus, par le nom qui m'a été donné, par le pouvoir qui m'a été donné, dans le nom de Jésus. Nous chasserons les démons, au nom nom de Jésus, je viens briser le joug, Seigneur de gloire, de ma famille, le joug, Seigneur de gloire, de l'ennemi, le joug, Seigneur de gloire, dans chaque domaine de ma vie, dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je viens briser le joug, dans toute forme qu'il soit. Oh Dieu de gloire, je déclare ce matin, Seigneur, je brise ce matin, le joug de l'ennemi, le mal de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je proclame, Seigneur de gloire, le feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, que cela puisse embraser, que cela puisse se consumer, que cela puisse se brûler, que cela puisse, Seigneur de gloire, anéantir. Oh Dieu de gloire, les œuvres du diable, le joug, Seigneur de l'ennemi, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie des Seigneur de gloire de ton peuple, dans la vie, Seigneur de gloire, Père, ceux qui, Seigneur de gloire, qui sont malades, au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je viens briser, je viens briser ce matin dans la vie de tes enfants, Seigneur, dans la vie, Seigneur de gloire, de Hervé, dans la vie, Seigneur de gloire, Père, de Rebecca, dans la vie, Seigneur, mon Dieu, Père, de la famille. Je viens briser le joug, ce matin, dans le nom de Jésus, par la flamme du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur pour cette année qui va commencer. Nous allons prier le Seigneur et que cette année soit une année de la bénédiction et que la faveur de Dieu soit à notre côté, dans le nom de Jésus. Quand je dis la faveur de Dieu, c'est-à-dire la bonne santé, c'est-à-dire la prospérité, c'est-à-dire la longévité, c'est-à-dire la vie Zoé, la vie de Christ, la vie surnaturelle, soit à notre côté. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, cette année, Seigneur Dieu de gloire, Père, je viens proclamer la bénédiction, Seigneur de gloire, Père. Au nom de Jésus, que ta faveur soit, Seigneur de gloire, Père, dans notre avenir, dans notre, Seigneur de gloire, maison, dans notre, Seigneur de gloire, Père. Oh Dieu, vie, au nom de Jésus, je proclame cette année, Seigneur de gloire, qui arrive, l'année nouvelle, Seigneur, qui est des choses nouvelles, Seigneur de gloire, et agréables, des choses parfaites, des choses merveilleuses, Seigneur, dans la vie de tes enfants, la bonne santé, la vie Zoé, la vie surnaturelle, le miracle, le prodige, le faveur, la richesse, la réjouissance, la paix de Dieu, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, Seigneur, c'est toi qui es le prince de paix. Je déclare ce matin, Seigneur de gloire, dans cette année nouvelle qui va arriver, Seigneur, ô Dieu de gloire, je déclare, ô Dieu, la bénédiction de l'Éternel, soit le partage de tout un chacun, dans le nom de Jésus, et que nous puissions expérimenter, et que nous puissions être visités par la bénédiction de l'Éternel, qui ne fait suivre d'aucun chagrin, dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, je proclame une année nouvelle, une bonne année, je proclame une bénédiction, Seigneur, pour tes enfants, ô Dieu de gloire, une bénédiction, Seigneur de gloire, Père, dans leur, Seigneur de gloire, santé, dans leur état, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, Père de travail, dans leur état, Seigneur de gloire, Père de famille. Oh Dieu, je déclare, Seigneur, une bonne santé. Je déclare une bénédiction de l'Éternel qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors je déclare, Seigneur, la vie de Dieu, la résurrection de Dieu, la résurrection de Dieu dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous savons, Seigneur, le bonheur et la grâce va nous accompagner. Et nous déclarons ce matin, le bonheur et la grâce, oh Dieu, va nous accompagner, nous accompagne déjà, dans le nom de Jésus, dans cette année nouvelle, dans le nom de Jésus, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la louange ce matin, ô Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. À toi soit la louange ce matin, à toi soit la louange ce matin, Seigneur. À toi soit la louange ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le roi, tu es le Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Mais bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous allons dire encore au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, rayonne dans notre espace, rayonne dans notre entendement, rayonne dans notre atmosphère, rayonne dans notre périmètre, rayonne dans notre environnement. Au nom de Jésus, Saint-Esprit rayonne, Saint-Esprit prend le contrôle. Alléluia, prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, ce matin, Saint-Esprit de Dieu rayonne, rayonne au-dedans de nous, rayonne dans notre périmètre. Oh, plane, plane ce matin, gouverne ce matin, augmente encore ta plénitude ce matin, dans notre périmètre, dans notre mouvement, dans notre circulation. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Saint-Esprit de Dieu, opère de miracles encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu, augmente encore la chaleur de Dieu dans nos vies, augmente encore la passion de Christ dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Manifeste de ta grâce. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, viens nous équiper. Viens nous équiper ce matin. Viens nous équiper. Viens nous restaurer. Viens nous ressourcer, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste de ta grâce. Manifeste de ta puissance dans nos vies. Parce que tu es puissant, parce que tu es fort, parce que tu es la flamme du feu. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste, manifeste au-dedans de nous, manifeste au-dedans de nous, témoigne au-dedans de nous que nous sommes, oh alléluia, tes enfants, que nous sommes à toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste de ta grâce, rayonne dans notre périmètre de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur pour ce moment merveilleux. Alléluia, nous sommes obligés de pouvoir couper, mais bien aimés dans le Seigneur, pour permettre ceux-là qui vont aller au travail, d'aller au travail tranquillement. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Et nous restons toujours dans la présence de Dieu. Alléluia, parce que nous sommes dans le jeûne et prière. Alléluia, de 21 jours. Que le Seigneur, de 20 jours, pardon. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse et nous allons remercier le Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié. Nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, de ce que tu veux, Seigneur de gloire, Père éternel, que nous puissions, Seigneur, triompher à tous égards. Que ton nom soit béni parce que nous savons, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, Père, la malédiction n'a plus, Seigneur, de place dans nos vies. Nous savons que c'est la bénédiction, Seigneur, qui nous a enrichis ce matin. Nous savons que, Seigneur, ta splendeur, Seigneur de gloire, Père, qui nous illumine encore. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta main puissante dans nos vies. Béni soit ton nom, Seigneur, pour le pouvoir que tu as donné, que tu as parlé, que tu as, Seigneur de gloire, Père, donné dans nos vies, Seigneur de gloire, pour que nous puissions triompher. Que ton nom soit béni. Je bénis cette journée. Je recommande, Seigneur, toute la journée entre tes saintes mains. Fortifie-nous, Seigneur de gloire, dans ce moment de jeûne et prière. Oh Dieu, que nos vies, Seigneur, soient focalisées à toi. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et fortifiés dans cette journée, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, oui, nous acclamons le Seigneur. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Merci parce que Dieu est merveilleux. Il nous a donné encore son amour, sa grâce. Alléluia. Nous allons nous retrouver alors à 12 h. Alléluia. Dans sa présence et nous allons voir ces problèmes de serveur vocal de YouTube. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez bénis, soyez bénis. Je demanderai à la prophétesse de pouvoir couper la régie. Shalom, shalom. À midi, nous serons sur YouTube par la grâce de Dieu. Soyez bénis.